si tout n'est que relation, échange, ligature, alors le poète peut se taire, écouter l'échange comme regard. Poème de Rina Lani, Regard. Tes yeux ont bu mon âme comme le sel, la mer. Tes yeux ont ouvert mon âme à leur lumière. Et ma propre cécité est tombée en écaille, comme celle de la nuit sous ses étoiles. Tes yeux ont dévoré jusqu'à ce regard que je jette sur toi pour n'avoir plus d'asile, ne plus toucher l'escale étroite de l'exil. Tes yeux comme la mer me saignent de toutes parts. Les mots se sont couchés comme des sables, sous le poids subjugant de l'amour. Nous voici délivrés de leurs signes instables. Nos regards sont plus clairs que la paroi du jour. Nous voici âme à âme, fixant dans la clarté cet instant de notre consommation. Ô Dieu, nous voici, comme entre vos souffles extrêmes, l'ange feu, ô néant sacré de l'immatériel, baiser. Thank you.
reste. Je dénoue les cuisses. Comment jouir sans me débattre, moi qui m'éparpille dans l'air, en entordre la lumière. Dérivé entre les vertèbres, rien ne bouge. Dans la morphologie des trombes d'eau, se démêlent nos ressemblances. On s'abandonne aux vitrines de chair, rencontres cousues à nos langues, mosaïques grouillantes où le sublime éloigne les eaux. Je nous fouille dans les palpitations. Une sonde sous l'épiderme, l'amour kamikaze nous vrille. J'ai beau te filtrer dans mes veines, un silence plie la vie en deux. Nos commencements déchirent les parcs. La ville renonce à lécher ses rues. Au fond des poches, nos balises chiffonnées. Ma chambre dépose ses meubles. Je dormirai longtemps. Ma chambre dépose ses meubles. Je dormirai longtemps. Le sommeil court autour du lit, corps encensoir. Nos hanches portent les printemps carambolés. Rembobiner les muscles, brocher les lèvres. Je ne sais pas priver mes doigts de te prendre. Au dernier sursaut de la journée, la maison embusquée propulse le quotidien dans l'autre quartier. Une ondée sépare nos respirations,
Nous ne vivons pas à la même date. Qui ai-je tué ce matin? En dévalant les heures, les yeux fermés. La porte te laisse entrer. Tu reviens inconnu aux odeurs déployées, traînant un bagage de certitude. Je glisse le stéthoscope sur mon ventre. Tu écoutes le battement du feu. L'après-midi verse octobre sur le toit. Doucement, tu enfonces ton bras dans mon dos. Au revoir, à plaisir. Je t'invite à manger cru. Le passé pousse la bibliothèque sur nous. Rien n'enlève la colère aux choses. Nos caresses chargent l'appartement. Nous vivons comme des multiplications de soi. Sur une feuille hématome se construit le mouvement. L'os du cœur tombe en un courant d'air. Les refus s'amalgament. Au jour succède l'indulgence. Une allée amène ton sang à mes pieds. J'écris que je t'aime. Mon corps détale hors de ma chemise. Ta promesse me dévore jusqu'au matin. Ta promesse me dévore jusqu'au jardin. Tout part de là. La monotonie tressée. Décore cette pièce. Au cœur, un lit en équilibre. Prudence de ferraille. Clore les souvenirs. Inhaler la parole. À quoi sert de te nommer? Tu dépasses de partout. À quoi sert de te nommer? Tu dépasses de partout.
Les consonnes agrafées retiennent ton nom à ma poitrine. Quarante fusils débouclent les ceintures. Leurs tirs préservent la mobilité du désir. Obsèques éoliennes. Dans la voix du brouillard arnaqué. L'automne enroulé au poing brosse l'avenir. Nous échangeons nos yeux. Nos silhouettes survolent les têtes. Le long de l'échine. En malade chronique. Nous marchons. Une blessure s'oxygène. Déploie ses corolles sur mes hanches. Devance l'ardeur des chambres improvisées. La mort courtoise offre une route. L'exode s'endort dans la sobriété d'un phare. Pareil au vice. Nos êtres redoutent les mondages. Tu t'abreuves à ma nuque, bête au bord d'un étang. Nos semelles laissent des traces. La profondeur des mots sur le linoléum. Matin loquace. L'esprit trouve l'air qu'il faut. L'eau se couche entre nous. Notre quotidien dans la bouche. Je mesure l'existence. M'assurer d'une autre rive. Que je puisse te toucher. La tendresse garde le manque en orbite. Mes seins s'ouvrent comme des rideaux. Des eunuques défilent dans le couloir. Puis j'en ai assez de désorganiser le destin, attendre
devient l'unique brèche. Chaleureuse passivité. Mon souffle change de voltage. Dehors l'intime. Dehors l'intime. Dehors l'intime, aux herbes rouges. Écoute, Orphée. Corinne Chevarier. Orphée, est-ce que tu vois une femme en Corinne Chevarier? Ou tu vois un être? Dissous dans l'immatériel. Orphée, pourquoi est-ce que tu t'es retourné? Orphée, qu'est-ce que tu veux voir en arrière? Yasunari Kawabata. Kawabata, écrivain japonais, se retourne en arrière comme Orphée. Il se dédouble en un homme qui s'appelle Eguchi, un vieil homme qui entre dans un drôle d'univers, la maison des belles endormies. Qu'est-ce que cette maison étrange? Est-ce que c'est un bordel? Non. Il n'y a pas de sexualité. Cette maison destinée aux vieilles personnes a dans chacune de ses chambres une jeune fille endormie par de puissants narcotiques. Et les vieilles personnes âgées peuvent se permettre un instant, en tout respect du corps de la demoiselle, de très sévères règles, de pureté, jeunes filles endormies et rêvées. Rêvées au passé, rêvées à leur jeunesse, aux femmes qu'ils ont aimées. Se préparer à la mort et peut-être trouver la douceur de l'enfance, le pardon des fautes. Voilà,
un roman, Les Belles Endormies de Kawabata, dont je vais lire quelques extraits. Thank you.
À l'intérieur de la maison des belles endormies, quand Eguchi ouvrit la porte de la chambre secrète, une odeur douceâtre de femme l'accueillit, plus dense que d'ordinaire. La fille dormait, tournée de l'autre côté. Sa respiration était appuyée, sans pourtant que l'on puisse parler de ronflement. Elle semblait fortement charpentée. Le reflet de la tenture cramoisie empêchait de l'affirmer, mais son abondante chevelure semblait tirée sur le roux. De l'oreille charnue au cou épais, la peau paraissait réellement blanche. Comme l'avait dit la femme à la réception, elle donnait l'impression d'être chaude, mais le visage n'était pas congestionné. Quand le vieillard se glissa derrière elle, elle fit « Ah !» comme mue par un réflexe. Pour être chaude, elle était chaude, mais sa peau était lisse et comme visqueuse. Elle était entourée d'une moiteur dont on sentait l'odeur. Le vieil Eguchi se tint immobile quelque temps, les yeux fermés. La fille non plus ne bougeait. Plus bas que les hanches, ses formes étaient opulentes. Sa chaleur. Sa chaleur venait envelopper le vieillard plus qu'elle ne le pénétrait. La poitrine de la fille était généreuse, les seins étaient larges, attachés plutôt bas, et les mamelons étaient étrangement petit. Le vieil Eguchi en était venu dans cette maison à penser que rien n'était plus beau que le visage insensible d'une jeune femme endormie. N'était-ce pas la suprême consolation que ce monde pouvait offrir? La plus belle femme ne saurait dans le sommeil dissimuler son âge. Un jeune visage est agréable dans le sommeil.
devasya dhimahi diyo yo na prachodayaya. Elle est mignonne. Elle est mignonne, murmura le vieillard. Et il appuya la joue contre la joue de la fille. Elle était lisse. Sous le poids qui pesait sur son épaule, la fille se retourna sur le dos. Et Gouchy s'écarta. Le vieillard resta un moment les yeux fermés. C'était aussi parce que l'odeur de la fille était extraordinairement dense. On prétend que rien autant que des odeurs n'est propre à évoquer le souvenir du passé. Mais celle-ci n'était-elle pas trop douceâtre et trop épaisse? Elle n'évoquait rien d'autre que l'odeur laiteuse d'un nourrisson. Les deux odeurs différaient certes du tout au tout, mais n'étaient-elles pas en quelque sorte les odeurs fondamentales de l'espèce humaine? Il s'était de tout temps trouvé des vieillards pour chercher à faire de la senteur que dégagent les petites filles une drogue de jouvence et de longévité. C'était à se demander si l'odeur de cette fille n'était pas un parfum de cette nature. Si le vieil Gouchy en venait à enfreindre à l'égard de cette fille les interdits de la maison, elle répandrait une odeur odieuse et âcre. Cependant, s'il en jugeait ainsi, n'était-ce point le signe qu'il était déjà trop vieux?
une odeur dense comme celle de cette fille. Et aussi, cette odeur âcre, précisément, n'était-elle pas à l'origine de la naissance de l'être humain? C'était une fille qui semblait devoir concevoir facilement. Pour profondément endormie qu'elle fût, les processus physiologiques n'en étaient pas interrompus, et le lendemain, elle finirait bien par se réveiller. À supposer qu'elle conçoive, ce serait absolument son insu. Qu'adviendrait-il si le vieil Higuchi, à 67 ans, laissait en ce monde un enfant conçu de la sorte? Ce qui entraîne l'homme dans le monde des démons. C'est bien, semble-t-il, le corps de la femme. Cependant, la fille avait été privée de toute résistance. Au bénéfice de ses vieux clients, au bénéfice de pitoyables vieillards, elle n'avait pas un fil sur le corps et elle ne se réveillerait en aucun cas. Higuchi se sentit lui-même misérable, comme s'il avait mal au cœur. Et il se surprit à murmurer. Au vieil homme, la mort. Au jeune homme, l'amour. La mort une seule fois. L'amour, je ne sais pas combien de fois. Il en avait été surpris, mais cela l'apaisait. Il n'était pas dans sa nature d'être emphatique à ce point. Dehors, on entendait le bruissement de la neige mêlé de pluie. Le bruit de la mer semblait en être étouffé. La vision d'une mer vaste et sombre, où les flocons de neige se dissolvaient en tombant, se présenta au vieillard. Un oiseau de proie pareil à un aigle immense, tenant son bec une chose dégoulinante de sang, tournoyait au-dessus des vagues noires qu'il effleurait de l'aile. La chose était-elle un bébé? C'était bien improbable. À voir de plus près, était-ce l'image des dépravations humaines? Higuchi secoua légèrement la tête et dissipa la vision. « Parce qu'il fait chaud, dit-il. Ce n'est pas seulement à cause de la couverture électrique. La fille avait repoussé la couverture dégagée. Et sa poitrine large et opulente était là. »
L'univers le plus inhumain devient humain par la force de l'habitude. Mille dépravations sont cachées dans les ombres de ce monde. La femme à la réception avait dit: ici ne viennent que des clients de tout repos. Celui qui avait indiqué la maison à Egushi était lui-même un vieil homme de cette sorte. Un vieillard qui avait cessé d'être un homme. Une impuissance pareille à celle des vieillards qui fréquentaient cette maison l'attendait sans doute avant peu d'années. Des idées d'atrocité germaient en lui. Détruis cette maison. Détruis ta propre vie. Détruis cette maison. La maison des belles endormies. Ou des vieux hommes. À peine hommes peuvent venir ressasser leur vie auprès de jeunes corps endormis.
Thank you.